Coucou tout le monde, je voulais vous montrer alors après le folio. Attendez parce que j'ai beaucoup zoomé donc un folio déjà. Le tout avec le kit euh, créatif de Amélie. Le site c'est euh, scrapenjoy.com. Voilà le papier voilà le bloc de papier et j'ai fait tout ça avec un seul bloc de papier. par contre, euh, amélie avait prévu des feuilles unies pour faire un ou deux projets, pas pour en faire quatre ou cinq. donc, au bout d'un moment, pour finir d'utiliser le bloc de papier, j'ai quand même rajouté des feuilles. Euh, voilà, des feuilles de chez moi. si vous n'en avez pas, vous demandez à amélie de vous rajouter un paquet de, de feuilles euh, comme elle a déjà mis dans le kit pour utiliser le le bloc et c'est un bloc, c'est une marque qui est assez chère parce que les blocs ont beaucoup de feuilles. Donc voilà, on fait beaucoup de projets avec. Il me reste encore trois feuilles donc c'est pas dit que je vous fasse pas encore autre chose. Voilà, donc j'ai fait un folio, c'est une chose. J'ai fait un petit rangement de bureau dont je me sers déjà pour mettre mes post-it. J'ai fait un mini album et aujourd'hui, j'ai fait la boîte. Alors voilà la boîte, le mini album est dedans. Je vous montre la boîte sur tous les côtés. Donc la boîte se range dans une dans, sur une étagère comme un livre. Hein? Voilà, elle se range comme un livre, mais en fait c'est une boîte. Donc ici vous avez une place pour mettre deux photos. Là vous avez un tiroir pour mettre ce que vous avez envie de mettre. Alors ça, hein, vous ferez bien ce que vous voulez. Et ici vous avez le mini album. Qui est ici et dont je vous ai déjà fait une vidéo de présentation, donc je vais pas la refaire 50 fois. Par contre, je me suis aperçu que, mais comme toujours, je sais pas comment je colle les perles, les demi-perles, mais avec moi, les demi-perles se décollent toujours. Donc, je les ai récupérées. L'avantage de la boîte, c'est qu'elles sont tombées au fond de la boîte, et donc je vais leur mettre un point de colle et les remettre à leur place. Non, ça c'est pas la bonne couleur. Voilà. Mais ça, je, je pense que je ne dois pas décoller le, le, le double face autocollant. Je pense que je dois. Il doit, ça doit manquer de colle quand je. Fais bon, enfin bref. Voilà, donc avec une cascade ici, avec des tas de. des tas d'inserts à droite à gauche, une autre cascade, je ne sais plus combien il va, 60, 70 photos, je me souviens plus du tout. Enfin, il y va un paquet de photos. Et voilà, et le mini-album retourne dans sa boîte. Et la boîte retourne sur son étagère. Hop voilà, je vous dis à bientôt, et puis dès que j'ai le courage, je vous fais quelque chose avec les trois feuilles qui restent. Bye bye à bientôt